Salut tout Salut les Robis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, merci de demander. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, bah oui, vous êtes pas... Alors pour cette vidéo aujourd'hui, je sais pas à quoi je pensais quand j'ai eu cette idée ou cette envie de filmer cette vidéo. Enfin si, je sais exactement, en fait, je vais vous expliquer. Je cherchais comment m'habiller aujourd'hui et clairement, j'avais l'impression que dans mon armoire il y avait que des vêtements. Alors cool, hein, vraiment cool, chouette et tout, mais que j'arrive pas à porter dehors. Je sais pas pourquoi, c'est des vêtements que j'aime bien. Mais pour une raison que je ne saurais pas expliquer, j'arrive pas à porter ces vêtements dehors. Et j'arriverai pas non plus à m'en séparer parce que c'est des vêtements que j'aime bien. Mais j'arrive pas à... je sais pas. Bref, vous avez compris quoi. Du coup, je me suis dit, moi qui voulais faire un haul depuis un petit moment, bah, tu sais quoi, je vais faire un haul de vêtements que je mets pas dehors. Et that makes sense. Does that make sense? Un haul de vêtements, en fait, que j'aime bien, mais que j'arrive pas à porter dehors. Tu vois? Je vais... un truc un peu qui change quoi, pour que pour une fois dans une histoire de haul on se dise plus purée c'est vrai à part ça on a grave des vêtements mais on sait juste pas comment les mettre, on sait juste pas pour quelle occasion on va les mettre. Là j'en ai choisi que 5, enfin 5 tenues du coup parce que sinon je m'arrêtais jamais. Je me suis dit je vais commencer avec 5 outfits et puis voir un peu ce que ça donne, voir un peu quels sont vos retours et puis ben, pourquoi pas en refaire un autre dans le genre bientôt. La vérité, toutes ces tenues que je vais vous montrer, c'est des vêtements que j'ai jamais encore portés dehors. Jamais portés dehors. Alors voilà, il y a peut-être des vêtements que vous avez pu voir en photo, mais c'est pas les porter dehors, c'est de la triche. Soit pour des shootings, c'est facile. On va tout acheter des fois des tenues qu'on va se dire « Ah, ça c'est grave instagrammable. Ah, ça c'est grave cool pour faire des photos, nanana. » Mais c'est clairement pas des tenues que tu vas porter dehors. De toi à moi, we all know, we know. Stop lying. Je vous laisserai tout simplement me dire en commentaire, bah déjà de 1, si ça vous arrive aussi, hein, si vous avez aussi vous-même des vêtements chez vous que vous n'avez jamais portés et pourquoi, et dans quelle situation vous me verrez porter bah, ces tenues, tu vois, anniversaire, mariage, sortie en copine, resto, rendez-vous, genre voilà. Du coup voilà, je crois que je vous ai tout expliqué, je pense qu'on peut tout simplement passer à cette vidéo. Let's go! When I look away, can't stand and think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Life for the party, but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hard to act like I've been alive. I'm trying to find where I identify. One time for the girl that got away. Two times for the bub I'm about to spray. Three times for the power that I pray to. Are you up there? Can you hear me? I know I fucked up. It's clear, see, I'm 22, but I don't act like it clearly. And all this shit is a mirage.
I'm just rapping for a cause. The life, the fame, the life's the game. You break the laws, don't like to change. Wanna win you back, but I hate to lose. I know that you're the one, but it's hard to choose. See, I don't know you at all, but I'm bout it if you bout it. Don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm bout it if you bout it. Don't act like you are doing a favor. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, vous connaissez la chanson, vous me laissez un petit pouce en l'air. Et surtout, on part pas d'ici sans s'abonner à ma chaîne. Pour ne rien louper et pour officiellement faire partie de la team Robins, 1 million. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires les filles, je les lis avec plaisir. Et là vraiment pour le coup c'est vraiment un appel en détresse, genre pourquoi je ne porte pas ces vêtements et quand est-ce que je peux les porter? Est-ce que je m'en débarrasse ou pas? Comme je vous ai dit, cette vidéo c'est moins pour vous inciter à acheter ces vêtements, c'est plus pour vous dire voilà, j'ai ces vêtements là dans mon armoire que j'ai clairement jamais mis. Je sais que vous en avez aussi, je sais que vous avez des vêtements que vous kiffez mais que vous avez jamais mis. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Où on est? Qu'est-ce qu'on fait? Pour partager ce phénomène avec vous. Par contre avec plaisir je vous mets les informations en description et puis voilà, vous comprenez hein. Du coup si vous aimez bien, bah pourquoi pas en refaire. J'avais envie de faire quelque chose de différent quoi, plutôt que d'attendre d'acheter mes vêtements et puis de vous balancer ça genre oh, j'ai acheté ça, nan 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 nan. Voilà, là je vous montre juste des trucs que j'ai mais que je mets pas clairement, donc je sais pas si c'est mieux mais c'est original. Donc je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Bon c'est pas sur cet ordre mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous.